Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Remember Me, le deuxième. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, alors, dans le dernier épisode, on a compris un petit peu qui on était. Donc, on s'appelle Nilin, hein, et on était une chasseuse d'esprit très, très, très douée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc là, on va voir notre ami, qui tient un bar dans une sorte de bateau au-dessus du slum 404. Attention, territoire Looper, si vous pouvez lire. D'accord, j'ai même pas vu la suite. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Appuyez sur eux pour surprendre au rebord. Ok. Petit fail, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il nous donne des informations assez souvent. Un erroriste a laissé le souvenir d'une cache à votre intention. Étudiez attentivement l'image et localisez la zone indiquée dans votre environnement. Ok. Où sont les gens ? Il doit y avoir quelqu'un ici. C'est à gauche. Allez, va à gauche. Tac. C'est encore à gauche. Appuyez. Ok. Tac. What? Votre jauge de vie a atteint un seuil critique. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu de Sensen. Combo de 5 coups est maintenant disponible. Appuyez sur Entrée. De nouveaux presets sont également disponibles. Presets de régénération. L'exécution d'un presets de régénération redonnera des points de vie à Nilin. Insérez ces nouveaux presets dans vos combos. Ok. Faut le mettre là. Tac. Tu peux utiliser les presets de génération pour restaurer votre vie instantanée et vite. Tac, nickel. Il m'en manque un là. Attendez. Il m'en manque un. Ah voilà, nickel. C'est quoi cette musique de fou là? C'est quoi la touche pour J'ai pas encore trouvé la touche pour donner des coups de pied. Ça m'a l'air d'être bon. Alors par contre, j'ai pas la touche pour les coups de pied. Alors ça, c'est un peu plus embêtant. Reculer, esquive, coup de pied, souris, bouton central. Oh, c'est un peu chiant ça. Oui, c'est un peu chiant, mais va falloir faire avec, hein. Ou alors je changerai après. Tac.
C'est vraiment un Tomb Raider, hein. C'est vraiment un jeu de plateforme. Oh, regardez, il y a un peu de vie là. Même si ça nous sert un peu à rien puisqu'on a on s'est régénéré tout à l'heure. Il l'avait dit, il est mort deux fois. What? C'est quoi ce délire? Je suis où là? Parce que je suis. Ah ok. Ah ils m'ont remis là, ok d'accord. D'accord, je dois aller là. Tac. On saute derrière. Oh là là, oh là là, on se calme petit. On y va. Alors par contre, je sais pas du tout pourquoi, mais je suis tombé. C'est Tommy la migraine. La mère couche avec un leaper. Un exécutif a crié toujours dans le noir. Il l'avait dit, il est mort deux fois. Il est mort deux fois. Il est mort deux fois. Mais passe quand même me voir au Liquid Brain. J'aime-moi picoler seul que mal accompagné. C'est bon, on agirait. Voilà, nickel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je me rappelle de l'enchaînement, je me rappelle plus trop de l'enchaînement. Appuie sur palier de PMP atteint, de nouveaux presets sont déverrouillables. Ah. Lynn gagne des PMP durant les combats. Les points de maîtrise procédurables servent à déverrouiller les pressions qu'elle a oubliées. Nilin possède assez de PMP pour déverrouiller un nouveau pressen. Pensez à la façon dont vous pouvez utiliser ce nouveau pressen pour créer des combos plus longs et plus puissants. Ah bon, elle a eu où des pressen? Je vois pas. Alors c'est coup de pied, point, coup de pied, point, coup de pied. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Déverrouiller. Tac. Mais c'est bon. Attendez. Mince. Ok. En attendant, je pouvais faire que reprendre la partie, quoi. C'est pourri. Comment on fait pour créer un nouveau pressen? Je sais pas. Bon, sur ce, on continue. Allez hop. Ah, y a un truc à récupérer là. Un fragment de votre vie. Oh shit. Face. J'ai perdu la face. J'aime dans la boîte.
mes enfants. Oh, j'ai menti. Ah. Et moi, je me mange. Il a pris cher. Trompé de fille. Douleur. Appuyez sur. Attendez. L'écorcheur est bien plus puissant lorsqu'elle est accompagnée de l'hyper. Éliminer l'hyper. Je l'ai eu. Yes. Alors les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Je parie que c'est là que je dois aller. Non. C'est par là. Moi j'étais en train d'attendre. Tac. Ok. C'est vraiment un Tomb Raider, hein. Franchement, pas trop de différence, hein. Faut sauter partout. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Ok. Alors, c'est par où? Oh là 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 là, je fais une connerie. Ok, je pensais que c'était en bas qu'il fallait aller, mais au final... Est-ce qu'on peut se balancer? Non. Ok, on peut pas se balancer au poutre. C'est pas un bon Tomb Raider. On peut aller en bas? Non, on peut pas. Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. Va voir ailleurs. Tu vas te calmer, toi. Je suppose que la politesse ne fait plus recette. Attendez, elle s'est pas montée à une échelle? Purée, on est obligé de sauter pour qu'elle monte à l'échelle?
personnel, rien. Je fais mon boulot. Du coup, c'est sûr qu'il reste fermé. What? J'aurais peut-être dû utiliser... C'était quoi cette chose? C'est bon signe ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Ok. Ok. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me lâcher dans le vide. Super, le raccourci Edge. Je parle toute seule, ma grande. Ils sont sérieux? LOL! Enfoiré! Utiliser les combos là pour élaborer les combos. On y arrive ou pas? Ok. Pas de retour possible. C'est vachement beau hein, quand même. On peut pas dire le contraire. Par contre, il y a des moments où on peut pas bouger la souris, c'est super chiant. J'ai quelques petits freezes de temps en temps, je sais pas du tout d'où ça vient. J'ai regardé un petit peu sur l'internet et il y a pas que moi qui a ces petits freezes. C'est pas du tout au niveau de mon PC, je pense. C'est assez chiant quand même. Lucky Brain. Ok, à droite, là, il y a Tommy la migraine. Ok. Ferme-la, Bob. Ferme-la, Bob. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors, Edge a réussi. Dans mes bras, ma belle. Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange? Désolé. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look.
Yeah, on va s'habiller. On va changer de vêtements. C'est ça? C'est bien de prendre en vidéo le bassin des filles. Non, d'achat, sans vulgaire dans ce jeu. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% nylon. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Disons que... à la Bastille... contrairement à toi... j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon. Je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. C'est ça ma tenue de combat? Ça va peut-être faire comme dans les jeux sur internet là pour enfants, on va habiller de nous-mêmes notre Nilin. Bob! Va à l'intérieur! Ou j'appelle Johnny! Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils te balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum du coffret. Pas pour la coffrée, non. Oh là là. Typique d'une fouille cervelle. À peine dehors et déjà au turbin. Nélin ? Oh là 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 là. C'est pour toi, David. C'est qui ce David ? Qu'est-ce que je dois faire? Mémoire d'Olga. Il y a 3h, 6h43. Ouais. Je suis censé faire quoi là? La transfusion mémorielle. Ouais. Génial. What? C'est pour toi, David. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ils sont plutôt en train de lui... Ne vous inquiétez pas. Piquer ses souvenirs. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé
très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. D'accord. Mise à jour de l'objectif. Faites en sorte que Docteur Quaid tue David. Votre objectif est d'altérer cette scène pour faire en sorte que Docteur Quaid tue David au lieu de le soigner. La première étape consiste à trouver les failles mémorielles avec lesquelles vous pouvez interagir. Tournez dans le sens inverse des aiguilles du monde jusqu'à ce que vous trouviez une faille mémorielle. N'inquiétez pas, le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Ouais. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Dévoiler les sangles n'est pas suffisant pour atteindre votre objectif. Rembobinez. Tournez. Bon. Rembobinez le déverrouillage de la sangle annulera l'interaction. Les failles mémorielles actives sont listées en bas à gauche de l'écran sous des formes. Vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des. Mémoriel, dépendance aiguë. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont acte très. Ouais. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Fragmenté. Comment on fait déjà pour... Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Je suis perdu, là. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital. Ah, ne vous inquiétez pas. Ok, donc alors je... crois comprendre certaines choses. Aux souvenirs extérieurs. Alors. Risque aggravé de dérive identitaire. Vas-y. Risque aggravé de dérive identitaire. Comment ça marche ? Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà, je voilà. Prends que d'elle. Ces endorphines vont faciliter le processus. Et donc, re tout le monde, alors vous n'avez pas vraiment vu de différence entre maintenant et tout à l'heure, sauf que moi, j'ai remarqué une différence, c'est-à-dire que j'ai crash en fait, et je ne savais pas trop quoi faire. Approchez-vous d'une faille mémorielle, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de plus en plus, appuyez sur le bouton central, arrêtez-vous sur la faille. Et appuyez sur E, je pense. Et ça marche. Alors, le Nymphéa est déjà là, il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer en même temps, et ça c'est chiant. J'ai eu beaucoup de problèmes, on va s'arrêter deux petites secondes pour parler. Le jeu a crash et ça a fait crasher en même temps Action. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau d'Action. Après, il voulait plus enregistrer, il crashait à chaque fois que j'en sais une vidéo.
Et je l'ai désinstallé, réinstallé, ça faisait pareil. J'ai désinstallé, désinstallé, supprimé tous les fichiers pour pouvoir le réinitialiser. Et là, ça c'est revenu, sauf que je bug à des moments. Par exemple, sur Left 4 Dead 2, je ne buguais pas, maintenant je bug. C'est quand je tourne, bien sûr. Et c'est hallucinant que je ne comprends pas d'où ça peut venir. Mais bon, Le on va meilleur reprendre notre. hôpital pour le traitement des dommages On va mémoriels. reprendre notre vidéo là où on en était. Ça devrait aller. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances, beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, docteur Quaid. Donc si j'ai bien Je peux payer compris, son traitement. alors je dois changer le passé de la femme, faire en sorte qu'elle croie que l'infirmier est obligé de le tuer. Bon, là j'ai pas l'impression que ça ait marché. Ah mince, déverrouiller les sangles n'est pas suffisant pour atteindre votre objectif. Trouvez maintenant la combinaison de failles mémorielles qui amènera le Dr. Quaid à tuer David. Allez, on rembobine, on rembobine, on rembobine, on rembobine. Rembobiner, on s'en fout, c'est pas grave. Allez. Allez, on rembobine, on rembobine, on rembobine, on rembobine, on rembobine. Et je pense que ça peut le faire. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux venirs extérieurs. Tac. On permute les capsules. Risque aggravé de dérive identique. Ah, L'inévitable bon, effritement d'une bouger ça, je pense pas que ça personnalité servira à quelque chose. trop fragmentée. Quoique. Voilà. Ces endorphines vont et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Il taquicarde, très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit. Attendez, j'ai dû oublier un truc. L'inévitable effritement d'une Ouais, j'ai dû oublier un personnalité petit truc. Sais pas trop à quoi ça sert, ça. trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa Inversion du flux mémoriel en cours. réceptivité à Je sais pas votre trop ce que c'est, transfusion. ça. C'est impossible! Merde, je l'ai tué. Rembobiné. La version de transfusion mémorielle a tué Olga. C'est ce qu'on appelle un bug mémoriel. Puisqu'on ne peut pas se rappeler qu'on est mort, n'est-ce pas? Ouais, bah je me suis fail. Alors, quand est-ce que j'aurais pu faire? Donc ce serait là que. Je suis sûr que les capsules, on en a besoin. Risque aggravé de dérive identitaire. Tac, on passe Bref. ça. Mince, c'est pas de ce sens-là. Mince. Exister à votre transfusion. Croche vide. Ah, attendez.
attaque, max oxygène, détacher le max, le masque. Mince, c'est pas de ce sens. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les manques me mouchent. On enlève les sangles. Oh, le truc de dingue. Bon, ça a l'air d'aller beaucoup mieux niveau bug. Espérons-le. En tout cas pour le Remember Me. Hein. Erreur médicale. Succès déverrouillé. En tout cas, on a réussi ça. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, ils sont assez compliqués. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Oh, par contre, alors nous avons un ennemi commun. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver la... Quel retournement ! Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise ! Pour tous ! Je suis sûr que Olga avait raison. Un truc que j'avais enlevé dans les paramètres graphiques. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroïste. C'est moi ou y a de l'amour dans l'air ? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va traquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Oh, j'ai mieux que des idées. Oh ! Un vaisseau spatial ? Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes ? Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs. Ouais, je vais réactiver ce que j'ai désactivé tout à l'heure là dans les paramètres graphiques parce que c'est dégueulasse. Toujours du bon côté, l'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, ni a fait innocent puisqu'il l'a continué. Albert Camus. Ni tout à fait innocent parce qu'il l'a continué. J'ai oublié un mot. Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige, de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don.
épisode 2. Y a pas un nom à l'épisode? Je crois que non. Macro-ondes. D'accord. C'est bon. Il y a une sauvegarde. Le nombre de patchs SAT de focus, ok, d'accord. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi RC Dova. C'est bizarre, c'est que pendant les... J'ai l'impression que c'est chasse. Que pendant les... Pas de guide prévu. Les cinématiques. Désolé, j'ai des affaires familiales à régler. C'est quoi une cinématique, vous allez me dire, mais... Ça va, c'est pas bien, c'est pas dégueulasse. La première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce? Quoique... La plus célèbre architecte... Quoique, c'est un peu dégueulasse. Elle en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a construit. Là, bon, je regarderai... Écoutez, je regarderai comment ça fait en... Il t'attend au dernier avec étage ou sans. De la rotonde Saint-Michel. Et si je trouve que c'est dégueulasse, hein, et ben je... Oh putain. Ouais, si je trouve que c'est dégueulasse, je remettrai. Sinon, bah ça va, hein, c'est pas si dégueulasse que ça. Bon, sur ce, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Il y a eu pas mal de petits bugs, surtout vers la fin là, avec la séquence dans le passé de la femme. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à liker, à le commenter. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, allez, salut.